j'aimerais vous parler d'aventure, puisqu'on est là pour vous parler de nautisme. La mer, le bateau, la voile, le voyage. Et en voyage, on part en général sur un cap, mais le bateau ne va jamais droit. Le vent, le courant, les vagues, le barreur qui rêve un peu. Et puis, on rencontre d'autres personnes, des marins ou des pas marins, mais qui vont vous donner des infos, des conseils ou faire germer des idées. Alors, parfois, on va modifier le cap vers d'autres îles, vers d'autres ports, se fixer d'autres objectifs, parfois bien différents. Mais pour ça, il faut pouvoir s'écarter de la route prévue, savoir trouver les bonnes cartes, savoir jeter l'ancre dans des coins sauvages, savoir gérer sa voilure et son équipage, savoir improviser dans les coups de chien imprévus. T'as raison, Libéra. Il faut savoir. Mais c'est pas tout, il faut pouvoir aussi. Il faut avoir la confiance en soi. Oui, il faut avoir bien armé son bateau et se sentir bien armé soi-même. Quelle que soit la préparation du grand voyage, on sait bien que ce sera un paquet d'aventures qui nous attendent. Un peu comme dans la vie, en fait. Alors nous, à Cordes et Cordages, c'est ça qu'on propose. Vivre la métaphore entre l'aventure en mer et sa propre vie. Moi, avant d'être marin, j'étais guide de haute montagne. Déjà, je m'étais investi dans une association un peu pareille, qui s'appelle En passant par la montagne. Et un jour, en travaillant avec un vieil éduc, j'ai entendu une phrase que j'ai toujours gardée. Il disait, tu sais, avec le public qu'on accompagne, on ne peut pas faire grand-chose. Mais si jamais on peut les aider à modifier leur cap de quelques degrés, alors t'imagines la différence au bout d'une vie. Alors nous, Cordes et Cordages, ce n'est pas forcément l'idée de modifier le parcours des gens. Mais dans un premier temps, leur faire vivre une expérience nouvelle, positive, qui va peut-être faire germer des idées, voire des envies. Et puis éventuellement, les accompagner pour trouver les clés d'un changement, une modification de cap. Alors, nous, on est une petite asso, loi 1901, on est deux membres fondateurs devenus actifs, rémunérés. On a une dizaine d'administrateurs et puis un petit paquet de bénévoles. On s'appelle Cordes et Cordages parce que, comme ça a été dit, il y a la montagne. Et on tient beaucoup à cette notion de cordée d'alpinisme qui, comme un équipage de bateau, va partir ensemble pour vivre ensemble. Mais aujourd'hui, on va plus s'intéresser au côté cordage. Pour ça, sur la partie maritime, notre outil principal, vous le voyez, c'est un catamaran à voile. Un bateau simple, fiable, presque un brin rustique, un petit peu à l'image d'un refuge d'altitude, justement. Alors, il est par contre très équipé. Il est très équipé à l'intérieur pour faire un lieu convivial, agréable à tout le monde. Et puis, il est très équipé à l'extérieur, un petit peu comme une base de loisirs itinérante, parce qu'on est là pour s'amuser. Alors, comment ça se passe? Au début, il y a un premier contact. Ça peut être une association d'aide à l'enfance, une école, la protection judiciaire de la jeunesse ou simplement une famille. De ce premier contact va naître une discussion. Cette discussion, elle va permettre de bien comprendre les objectifs à viser et les contraintes. On dit souvent qu'on est des artisans. Une main dans la voile, une main dans le monde du social. Chez nous, il n'y a rien à vendre en ligne, tout va se construire sur mesure. Du coup, ça fait des projets très variés. On peut se retrouver un jour avec des détenus à bord. Alors, il faut imaginer la scène, il pleut, c'est le matin, le temps est gris, les rives sont grises parce que c'est marée basse, la rivière est en rive de vase. On est au moteur. Et bien, pour eux, tout est bien. Ils sont heureux de tout, ils respirent, ils vivent, ils participent à tout. Même pour faire du vrai café dans une vraie cafetière, c'est le bonheur. Et bien, le lendemain, je peux me retrouver avec des jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse, un groupe d'ados dans leur camion sur le parking. Et le premier défi, ça va être de les faire sortir du camion. Donc il y a des jours, déjà sur le parking, on se dit que le projet, il n'est pas gagné. Alors en les appâtant avec un bateau sympa, des activités plutôt ludiques, on va les faire venir à bord. Et puis une fois à bord, là, on pourra travailler les objectifs qu'on a prédéfinis en amont. Et puis ensuite, je peux enchaîner juste après avec une psychologue et puis un groupe de jeunes femmes en thérapie. Où là, ambiance radicalement différente, on va baisser les tables, se mettre en mode canapé, salon, petit coussin, musique douce. Et puis là, l'idée, ça va être de créer une bulle où on sera entre nous, sans personne d'autre. C'est la protection du bateau. Alors là, je vous parle de choses plutôt visibles, assez faciles à expliquer. Mais nous, ce qu'on voudrait dire aujourd'hui, entre autres, c'est que
Le travail sur l'humain, c'est très compliqué à rendre visible. Et en tout cas, c'est pas trop affichable sur des panneaux publicitaires. Nous, on est à Hennebon, en Pays de l'Orient, et on est régulièrement sollicité pour des soirées, des forums, des colloques autour de la tech, la transition écologique, la course à la voile. Alors tout ça, c'est génial. Il y a une dynamique et du soutien là-dedans, c'est super. Mais pour parler franchement, moi, je suis un petit peu déçu dans toute cette dynamique de ne pas m'y retrouver. Et j'ai l'impression qu'on manque un petit peu de visibilité et de soutien de ces institutions-là. Alors c'est vrai qu'en course à la voile, on peut afficher un classement, un parcours, un temps. En technologie, on peut afficher un nouveau matériau, bientôt des bateaux compostables, comestibles, j'en sais pas. Ben nous, le travail humain, c'est bien plus compliqué. C'est très difficile de l'évaluer, mais c'est déjà très difficile de le montrer. En fait, notre action, elle est diluée dans l'ensemble des paramètres du parcours d'une personne. Alors, ce qui est fondamental pour nous, c'est qu'au sein de nos séjours, il faut qu'on crée de la matière pour du long terme. Alors parfois, on a des résultats à court terme. J'ai le cas d'un jeune, au bout de 36 heures, la situation explose, le jeune explose. Juste après, sa mère explose. Et là, les éducateurs de l'aide sociale à l'enfance qui étaient avec moi m'ont dit qu'en 36 heures, ils ont fait le travail de plusieurs mois de rendez-vous à domicile et de temps d'échange pour essayer de comprendre le problème. En fait, là, en 36 heures, le huis clos a forcé la main à la comédie qui se jouait. Et puis, sur le long terme, j'ai une autre anecdote que je raconte souvent, c'est le jeune Magomed, adolescent, tchétchène, masculin. Alors lui, la première fois, quand je lui parlais de vaisselle, d'éponge, tout ça, c'était l'insulter. C'était insupportable pour lui. Et puis, au bout de 2 ans, il y a les copains du groupe qui vont à la plage et puis j'entends Magomed qui leur dit « Oh les gars, allez à la plage sans moi, j'ai la vaisselle à finir, je vous rejoindrai après. » Bon, ben, ce jour-là, c'est moi qui ai fini la vaisselle en fait. J'étais tellement content de l'entendre dire ça que voilà, c'était gagné. Alors comment on arrive à ce que Magomed, au bout de 2 ans, arrive à être presque dans le plaisir à faire la vaisselle collective? Eh bien, il y a tout un cheminement. Au début, on va donner du plaisir. Ça, c'est l'accès. Et puis, une fois qu'on a donné du plaisir, on va pouvoir mettre en place de la confiance. La confiance, ce sera la clé de la suite du travail. Une fois qu'on est dans ce climat-là, on va pouvoir faire germer l'idée que le cap, il peut être choisi et éventuellement, peut-être un jour, il peut être modifié. Et si on est encore là dans le parcours de l'accompagnement, alors dans ce cas-là, on peut aider les gens à trouver les clés et les compétences pour modifier son cap. Alors, si je résume un peu notre méthodologie, même si j'aime pas beaucoup le mot, l'idée, ça va être de se donner du temps avant. Il faut essayer de définir le mieux possible les objectifs visés et les risques. Souvent, je raconte qu'un prototypiste, il va se faire une maquette, il va l'essayer, et puis si elle casse, elle casse, on va chercher une autre solution. Voilà. Mais nous, sur l'humain, on ne peut pas faire ça, en fait. On ne peut pas prendre le risque d'abîmer un petit peu plus. Donc cette première phase, en amont du projet, elle est fondamentale. Ensuite, il faut du temps pendant. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pendant, avec le vivre ensemble, que va pouvoir se créer la confiance. Cette confiance, c'est vraiment la clé de la suite. C'est ça qui va faire que derrière, l'humain, il va pouvoir se livrer et qu'on va pouvoir l'accompagner. Ces deux temps-là, avant et pendant, c'est des vrais défis à financer. Mais c'est avec le temps qu'on peut faire des choses pertinentes. Et puis ensuite, si on est encore là, parce que là, ça dépend des projets, si on est encore là à la troisième étape, eh ben, on va accompagner les gens, comme on l'a dit en introduction, à trouver les compétences pour pouvoir prendre en main leur changement de cap. Parce que c'est une fois qu'on est en confiance et qu'on en a les compétences qu'on va pouvoir tourner. Et pour ça, nous, on a besoin d'un réseau de professionnels compétents et engagés dans le travail du social, mais on a aussi besoin d'institutions qui sont là en soutien, qui soient impliquées aussi. Alors, à propos de projets qui vont sur les trois phases, on voudrait vous présenter aujourd'hui un projet qu'on a fait il y a quelque temps qui s'appelle « Où sont les filles en mer ?».
Alors Libéra va venir pour vous l'expliquer, mais avant ça, on va écouter les filles qui étaient sur le projet et elles vont vous en dire quelques mots. Dans ce monde où tout est bousculé, comment pourrais-je trouver ma place? Cette pièce qui, tant bien que mal, essaie d'exister, mais qui ne fait que subsister dans ce siècle présent. Et j'espère qu'un jour, je pourrai la trouver, ici ou ailleurs. Croyez en moi capable, j'irai de moi-même jusqu'à elle. J'ai 15 ans, j'avais 15 ans quand j'ai écrit. J'avais 17 ans. Du coup, avec le projet Où sont les filles en mer, on a appris qu'est-ce que c'était vraiment la mer. Au début, pour moi, quand on parlait de la mer, c'était petit. Mais quand on va vraiment en mer, ben, on se rend compte que c'est vraiment grand. C'est incroyable, tu découvres un autre monde. C'est un peu un endroit pour nous évader. En fait, comme on habite dans des quartiers, je pense que c'est des horizons qui sont assez fermés pour nous. Même pour les filles, hein. Enfin, les filles, elles sortent pas souvent sur le quartier. Bah de faire ça avec Libéra, bah ça nous a beaucoup permis de sortir et de pas rester à la maison à rien faire, quoi. Parce que sortir dehors, bah, y a rien à faire pour nous, quoi. Bah, cette première expérience, elle était enrichissante, elle nous a appris beaucoup de choses. J'ai tout aimé en soi, genre... Le meilleur souvenir, c'était quand on a fait de la plongée sous-marine. C'était quand Guéret nous avait forcé à suivre les phoques. Moi, je savais pas nager. Je savais nager. On galérait tous avec les pales. L'activité que j'ai aimé le plus, c'était le surf et que les vagues et tout, genre, c'était trop bien. Si on s'était pas ouverte et qu'on n'aurait pas sauté le cap pour faire ça, bah, en fait, on aurait raté beaucoup de choses et ça aurait été vraiment dommage. Libéra nous a fait grandir aussi parce que avant nos caractères n'étaient pas comme ça. On est toutes différentes, mais c'est dur de s'entendre avec tout le monde pendant une semaine. Genre, faut apprendre à vivre ensemble et tout dans un bateau. En fait, ce projet, ça nous a transformés. Même avec les gens de la maison du quartier, on s'entend avec tout le monde et c'est le principal, quoi, de s'entendre. Dans le milieu dans lequel on vit, quoi. Je suis fière de tout ce que j'ai fait avec Libéra. Bah, on peut écrire ça sur Parcoursup, qu'on a fait un livre, qu'on a fait un film. Libéra, elle nous a aussi appris à parler devant beaucoup de personnes. Quand on présente notre film, genre, on est à l'aise et tout. Même, on va dire, on fait un CV ou un truc comme ça et tout. Genre, tu vois, on peut rajouter ça parce que ça rajoute des plus. Qu'en fait, on serait pas les personnes qu'on est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ce projet. 1, 2, 3. Samaya, elle, est bien plus qu'un simple catamaran. Elle est le lieu de rencontre de nations, diverses et variées. Indéfectible, elle bouscule ce qu'il y a en nous. Elle laisse derrière elle des personnes à jamais marquées par l'écume de ses étraves. Elles sont fortes, non? Pas facile de passer après elles, elles ont tout dit. Mais si vous voulez profiter encore plus de leurs talents, un peu plus longtemps, vous pourrez avoir accès à leurs films, leurs documentaires qui durent une quinzaine de minutes en prenant le flashcode qui est là. J'ai aussi leurs livres, il m'en reste que quelques-uns, mais si vous êtes tellement nombreux à le vouloir, on se fera le plaisir de le rééditer. Puisque je suis là, moi je vais essayer de vous raconter comment est venue cette idée et qu'est-ce qu'on avait essayé de faire au départ. Alors, l'idée de ce projet, c'est une rencontre avec une ligue de l'éducation populaire de Lorient qui avait travaillé sur la question des jeunes filles dans l'espace public. Ils avaient travaillé assez longtemps avec des jeunes filles d'un quartier et la conclusion de cette étude, c'était que les jeunes filles s'interdisaient des lieux et des passages parce qu'elles ne s'y sentaient ni en sécurité, ni légitimes, puisque réservées aux hommes. En discutant avec la chargée de mission, comme on était sur l'Orient, on a assez vite fait le parallèle avec la voile. Vous me voyez venir? Un milieu dangereux, réservé aux hommes, où les femmes n'ont pas leur place. Bon, c'était en 2018, les choses ont un peu changé, mais Chiara vous l'a dit, il reste encore un peu de boulot. Mais là, ce n'est pas le sujet. Revenons-en aux filles. Quelle était l'idée de départ? L'idée de départ, c'était notamment à travers d'interviews de passionnés de la mer, de leur montrer qu'il n'y avait ni lieu ni milieu réservé à un genre. À l'époque, la ministre de l'égalité femmes-hommes était venue nous voir et elle avait dit aux filles, si vous devez retenir quelque chose, c'est que les métiers n'ont pas de sexe. Ça fait bien écho à l'exposition qui est dans le hall. La deuxième idée, c'était de leur proposer plusieurs supports, le bateau, comme on l'a vu,
La montagne aussi, le surf, l'écriture, l'expression orale, et on est même allé, vous l'avez vu, jusqu'à leur proposer de la broderie. Alors l'idée, ce n'était pas de créer un centre de loisirs pour jeunes filles, c'était leur créer l'occasion de s'exprimer, de se sentir fières de ce qu'elles sont et de ce qu'elles font. Alors quand un jour, l'une d'elles est venue me voir, en me disant « Tu sais pas ce qui m'est arrivé hier ?» Je dis « Bah non, j'ai cru que j'avais offert de l'or à ma prof de français. » J'ai dit « Ah bon ?» Ouais, je lui ai donné mon livre, et tellement elle souriait, j'ai cru que c'était un trésor. Là, on se dit qu'on a réussi une petite chose. La dernière idée, c'était de prendre le temps de vivre des expériences ensemble. Encore une fois, sur le catamaran Samaya, à la mer, mais aussi dans leur quartier. Pour leur montrer que la vie pouvait être belle aussi, et que le groupe pouvait être quelque chose de bienveillant et de portant. Une de mes phrases fétiches à l'époque, qui les faisait beaucoup rire, c'était « Les filles, la douceur entre sœurs ». Elles m'ont dit, quand on a fait l'interview là, qu'on voit dans la petite vidéo, que c'est une phrase qu'elles gardent en elles aujourd'hui, quand il y a quelque chose qui les énerve, elles se disent cette phrase. Vous l'aurez compris, on est assez fiers de ce projet, d'autant qu'il a fallu faire bouger quelques lignes, parce qu'un projet comme ça, il ne rentre pas dans les cases. Est-ce que c'est du nautisme? Est-ce que c'est du sport? Est-ce que c'est de la culture? Est-ce que c'est du social? Aucun, mais un peu tout. Et c'est pour nous ce qui fait la richesse de ce projet. Et puis, on s'est laissé du temps. 3 ans. 3 ans avec les 10 mêmes filles. Ça peut paraître un peu fou, mais c'est ce qui est pour nous le temps de ce que disait Guirec tout à l'heure, la mise en confiance, la résilience. Et quand on voit ce qu'elles arrivent à exprimer aujourd'hui de ce qu'elles ont vécu avec nous, on se dit qu'on a bien fait de le faire. Mais je suis désolée, ça ne va être pas facile. Je ne peux pas vous parler de ce projet sans vous parler de Célia. Célia, à 15 ans, a décidé de mourir pour ne plus souffrir. Elle nous avait parlé de ses souffrances, à nous, à d'autres, mais on n'a pas pu l'accompagner. Alors bien sûr, après un tel drame, c'est d'abord beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, puis un peu d'impuissance. À quoi ça sert tout cela? Mais le temps sert à prendre de la distance, et les lectures, les formations m'ont permis de comprendre que cette problématique de la santé mentale était un enjeu en fait de société crucial. Actuellement, le suicide est une des causes principales de mortalité chez les 15-35 ans. Alors aujourd'hui, je me dis que, tel le colibri, on fait une petite part face à ce phénomène, voire ce tsunami, comme disait un psychiatre lors d'une formation. On fait une petite part en proposant des temps de respiration dehors pour se reconnecter au vivant et se sentir vivant. On fait notre petite part en proposant de faire équipage avec des pères d'abord, mais aussi avec d'autres et avec l'autre qui souvent nous fait peur parce qu'il est étranger. On fait notre petite part en proposant des horizons, des repères, des balises, d'autres que celles qu'on nous propose ou dans lesquelles on veut bien nous enfermer. Alors cette façon d'agir est exigeante, mais elle est la nôtre. Et si elle vous plaît, n'hésitez pas à nous rejoindre, soit en nous proposant des matériaux, parce qu'il me semble que des bouts qui ont vu le bout pour la course au large ont quelques beaux avenirs chez nous, parce que face à un tel phénomène, nous ne sommes jamais assez nombreux. Donc vous pouvez venir nous rejoindre en tant que bénévole, en tant que partenaire, en nous proposant aussi des sources de financement, parce que le temps, c'est de l'argent, et que prendre soin de l'humain ne devrait pas avoir de prix. Merci.